Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Dying Light en compagnie de Donaldinho, ici Bonjour présent. Tout le monde. Bonjour tout seul. Alors, à la fin de la vidéo précédente, si vous avez regardé jusqu'au bout déjà, vous avez vu qu'il y a eu des problèmes de son. Alors on a perdu 20 minutes de vidéo pendant lesquelles on en a profité pour... Enfin on savait pas à l'époque, mais pendant lesquelles on faisait la quête de la fête des mères. Donc on a retrouvé le chocolat et le DVD de notre ami Charlie. Et il nous a fermé la porte au nez, il faut entrer par le toit. Alors c'était vraiment pas exploitable, je vais vous mettre un petit extrait de 20 secondes pour que vous voyez à quel point c'était affreux, donc voici l'extrait. C'est là qu'on avait fait, ouais. Ouais, c'est là qu'on a été assassin de la police. Et la police. Oh putain, fais gaffe mec, y'a du monde derrière toi. Bon bah voilà, j'aime bien, voici l'extrait, bon bah voilà. C'est bien de pouvoir faire un montage, tu vois, parce que tu... L'extrait en fait, tu places quand tu veux, quoi. Entre temps, on allait voir notre ami Raïm pour lui parler des bombes qu'on a trouvées, le C4 et tout ça. Alors lui était complètement bourré sur le toit, il a fait du doigt d'ailleurs comme un gros blaireau. Ah et... mais buvez pas mes amis, buvez pas, vu que c'est le mal. Et voilà, et donc du coup on lui dit ouais non tu fais rien, c'est nous qui nous en occupons et tout. Après on allait voir le doc, on lui a parlé du zombie chelou qu'on a vu. Il nous a dit ouais c'est peut-être la bouffe que je laisse un peu partout et tout ça. Du coup de nuit il faut essayer d'en chasser un pour récupérer des morceaux de sa peau ou un truc dans le genre pour qu'il puisse l'étudier. Oui ça fait mal, ça fait mal. Et sinon bon bah dans notre quête d'essayer d'arriver sur le toit on s'est tapé un gros fail. D'ailleurs on va essayer de repasser par là mec. Je vous passe ce petit fail en extrait parce qu'il fait toujours plaisir. Et là faut venir ici et sauter. Et pas se rater. Non. Et allez, et encore un fail, putain. Oh putain, je le crois pas. Voilà, l'extrait est passé. C'est cool, hein. Vas-y, viens, on va réessayer. On va essayer de repasser par... On va essayer de repasser, exactement. C'est quoi, mon cher ami, je me souviens... pas comment on était passé par les on est passé par les rochers ici. Ah d'accord, ok, on passe par les rochers, d'accord. Hop, je me casse une jambe mais c'est pas grave. Ce sont des accidents qui arrivent. Oui, exactement. Après on sautait sur le oh, voilà. Non. Voilà. Et non, attends. Cher ami. Ah ok, tu passes, ouais c'est sur le... Ah oui exactement, c'est vrai que c'est par le par les tuyaux du pont, exactement. Oh putain, j'ai fait une viandée comme une grosse merde. Mais tu es une grosse... je veux dire, oui, dommage. Dommage. Ouais. Et là je suis à l'endroit de notre fail, mec. Ah. Oh putain, je sais pourquoi on s'est fail. Pourquoi, vas-y. On ne devait pas passer par là. Comment ça? Attends, tu es où? Où, cher, mais t'as toujours pas réussi à monter? Non, mais j'étais sur le truc. Ah ok, non, je me suis chié dessus en fait. Voilà, regarde bien, va sur le truc. Tu okay. Vas y arriver. Je vais y arriver. Un jour, peut-être, la légende dit que un jour j'y arriverai. Ça, c'est ce que dit la légende, mec. Voilà, hop. Arrête de me... J'ai vu le truc bleu là. C'est bon, moi je peux sauter ou pas? Arrête. Non, va un peu plus à gauche mec, sinon tu vas tomber dans le vide. Si tu peux pas aller plus à gauche, ouais bah tu sautes hein. Voilà, vas-y viens, tu montes maintenant. Je monte. Et maintenant... Mec, j'aime pas les bruits qu'on entend, c'est bizarre hein, en plein jour. Ouais. Vas-y mec. Tu sais quand on a sauté comme des grosses merdes, bah en fait... Oui. Ah, il y a un tuyau dessus. Et ouais. Eh oui. Qu'est-ce qu'on est con. Ah oui, j'avoue qu'on est stupide, mais de ouf. Ouf, oh, bon, on saute comme des connards, mais en fait, fallait pas. Bah oui, il fallait juste... Comme des connards. Là, voilà. Vous avez des points de compétence. Ah, ok, deux secondes, points de compétence. On utilisait... Il y a d'autres trucs par là, mais je suis pas sûr qu'il y a peut-être des trucs de cachet. Apparemment, non.
peux y aller sur le toit. C'est un peu mal, mais c'est bon. Non, ici, il faut que je monte sur le truc jaune. Et t'es allé sur le toit, t'es sûr que c'est là-bas qu'il faut aller? Ouais, ouais, c'est ici, je suis juste au-dessus, là, je crois. Je viens de me casser une jambe. Oui, j'ai pas fait exprès, en fait. Tu... Pardon, mon ami. C'est pas très sérieux, ça, mec. C'est pas sérieux du tout. Ah, c'est absolument pas sérieux. Tu viens m'aider ou je me tue ou... Ça dépend est-ce que tu es haut. 15 secondes, 13, attends, j'arrive, 18. j'arrive. Je vais te sauver. Allez. Ça va te faire perdre des points de survie sinon. Ah, c'est gentil. Là, du coup, je te soigne. Les chers abonnés savent que tu es quelqu'un de bon et généreux. Ah, tu vois, tu vois, hein, hein, tu vois. Hein, connard. Bon, bah, comme je l'ai déjà fait, je l'ai déjà montré, on va juste ellipser le passage où on retourne sur le toit. Voilà, c'est ça. Ellipse, ellipse, on a. C'est bon, Donaldinho, ouais. T'es arrivé? Oui. Voilà. Je suis là. Alors, regarde, maintenant, tu fais comme moi. Tu marches sur ça, tu ne tombes pas. D'accord. Et là, tu sautes. Oui. Bon, je me suis viandé, certes, mais, ouais, mais ça passe. Il y a beaucoup de... J'ai entendu des bruits, tu vois. Non, mais t'inquiète, ils sont dehors. D'accord. Là, là j'ai ouvert un truc, t'as peut-être des objets à ramasser. Oui, oui, j'aime ramasser. Matraque, oui, j'aime. Et on va pouvoir aller voir notre petit copain. Ton petit copain? Notre et petit tu... copain. Nous sommes schizophrènes. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a un panier ici. Il y a un truc à ouvrir. Ah, du gaz. Ah. Oui, oh oui. J'aime pas ce... T'as trouvé un truc à ouvrir t'as... Où ça? Non, non, mais... Ce qu'on a ouvert, là, je t'ai dit que c'était un truc à ouvrir. Bon, je fouille le frigo, j'en profite, hein, je fais comme chez moi. Ah oui. Ouh, baklava, j'aime. Bonjour, oh, Gazi. Oui. Bonjour, Gaz. Maman regarde. Maman regarde. T'as vu maman? Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Gazi lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. D'accord. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. D'accord. Ils sont sur la table. Merci, Gazi. Normal, Gazi, normal. Tout le monde content. Oui. Gazi et sa bande, ou comme l'a dit Donaldinho, la bande à Gazi. World's best mom. World's best mom. Ah, écoute, ta maman ressemble à une grosse peluche. Ah, une note. Une note. Note 21. Ouh. Et ouais, attention, comme 3 x 7. Parachutage volé, allez vous faire foutre. Bah, bats les couilles, frère. Ceci est un balai. Ceci est une couille. Exactement. Putain, on doit ressortir par le toit, ils sont sérieux. Bon, on va apporter les et médicaments à Léna. Et du coup, attends, on a réussi la quête ou... Faut apporter les médicaments à Léna maintenant. Léna... Ah oui, exactement. What? De toute façon, pour faire la quête principale, il faut attendre qu'il fasse nuit. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de faire celle-là en attendant aussi. Je m'en rappelle. Ah oui, c'est vrai, oui. Exactement. Exactement, vu qu'on doit aller... récupérer un échantillon de je ne sais plus quel fantôme, ouais. Fantôme zombie. Exactement. Bon, je crois qu'on peut passer par là. J'aime les tunnels. Oh putain, il y a un truc vert là. Mais... Ouais, j'avoue. Bah les couilles. Ceci est un balai. Ceci est une couille. Ah, oh, lâche-moi. Mec. Je te suis. Il y a un pote, mais je veux dire, t'es pas non plus un super pote. T'abandonnes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et toute ma mort aussi. Ça va. Putain, y'a mal là-bas. Panama. Y'a mal là-bas. Aïe. On sera plus tard. Ah, oui. Je t'ai dégommé. Merci mon ami. Ah, moi je t'aide au moins, gros bâtard. Là. On passe. Oui. Free run. On est des ouf, mec. On est des ouf. Ah, franchement, moi j'aime grimper dans la nature. Ouais, c'est pas trop la nature, mais j'aime grimper quand même. C'est clair. Ça fatigue de grimper aussi, mais bon. Ah, oui, c'est clair. Nous sommes de grands sportifs. Ah, mais putain, moi. Putain, si les abonnés me voyaient, putain. Oui. Ils étaient beaux, ils étaient grands. Ils sentaient bon le sable chaud. Sable chaud. Ah, mais c'est. De leur récit et de leur gloire ont captivé les auditoires. Il y a un coffre ici, je l'ouvre.
Y'a un mec qui nous suit, mec, y'a un mec qui nous suit. Oh putain. Non, non, il est au-dessus de moi. Non, il est là. Hop là. Bon. Vas-y, on se barre. Bah, oui, oui, bah. Mec, c'est prévu, hein, moi, je. Tu me connais, moi, tu m'as connu quand j'avais 13 ans, moi, je me tire, hein, y a pas de soucis, c'est histoire de ma vie. Merde. J'avais remarqué, merci. Faut aller plus un peu plus vers la gauche, là, parce qu'on est juste à côté, en fait. Oui, oui, oui. Ah, putain. Ah, oui, c'est bon, je te suis, mon cher ami. Et la nuit va bientôt tomber. Ah, c'est bon, ça, on pourra aller choper le... Ou se faire choper, hein, ça dépendra de comment ça se passe. Oui, 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 exactement. De toute façon, nous ne sommes pas. Tout à fait, nous ne sommes pas. Il bon, y a toutes les quêtes là qu'on a pas pris, faudra bien les prendre un jour. L'intendant, n'hésite pas à prendre ces trucs si tu l'as pas encore fait. Ouais, ouais, je prends. Objet en stock vide. Merci, intendant. C'était bref, mais c'était intense. Ah, c'est clair. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Non. J'aime les ascenseurs. Ascenseur! Avec le doigt, connasse. Ascenseur! Ascenseur! Nous sommes de joyeux lurons. Joyeux, je sais pas, mais luron, c'est pas faux. C'est pas faux! C'est pas faux, ouais! Ouais, c'est pas faux! C'est pas faux! Attention, putain, tu vois. Ouais, je suis comme ça, moi. T'as pas éloigné ton micro quand t'as gueulé parce que je t'entends moins bien d'un coup. Non. Ah, je t'entends mieux. J'ai ton anti-épileptique. Ah, oh, merci. Comment ça s'est passé avec Gazi? Il est peut-être un peu bizarre, mais il sait très bien obtenir ce qu'il veut. T'as rencontré sa mère? Ouais, elle avait l'air heureuse. Si maman est pas contente, personne n'est content. D'ailleurs, Brecken m'a demandé de te passer ça. Avec ses remerciements. Récompense champion. Amélioration d'armes. Ah, ça vaut peut-être... Attends, bah qu'est-ce que ça fait du coup? Plan. Bah, c'est pas un plan. Putain, j'ai vraiment du mal avec l'inventaire. Champion. Ok, deux fois champion. Améliore toutes les statistiques de votre arme niveau 1. Sélectionnez une arme d'inventaire et puis sur LT pour utiliser l'amélioration. Bah je vais tester hein, pour voir ce que ça donne. Je vais tester ça sur mon... Sur ma lame crochet déjà modifiée. Module. Ah d'accord, les modules ils sont là. Assassin. Ah putain, on peut augmenter la maniabilité des armes. Les dégâts généraux, la résistance. Les champions, ça améliore un peu tout. Ah, la maniabilité, ça peut être intéressant, tu vois. Écoute, putain, ça... Attends, amélioration d'armes. Deux fois champion. Attends, X. Non, c'est pas X. Ah, j'arrive pas à le... À le mettre. Attends, deux fois champion. Tu vas dans le truc. Tu fais LT sur l'arme que tu vas améliorer. Ah, ok, LT, d'accord. LT, non, attends. Tu vas sur l'arme que tu as envie d'améliorer. Ah, ok, champion. Champion, champion! Champion! Il a enfin réussi, champion! Champion. Confirmé, amélioration, voilà. Voilà, donc il va faire nuit, on peut patienter dehors qu'il fasse nuit pour trouver un esquiveur et récupérer un échantillon de tissu. Oui, effectivement. Bah, ah, ok, faut prendre l'ascenseur. Ascenseur! 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 Chiotte! Ascenseur! C'est pas faux! L'intendant ouais, m'a montré où c'est trouver pas ses faux. Esquiveurs. C'est pas faux! Il me tarde de parcourir la ville de nuit. J'aime bien comment on passe à peine pour 2 gros débiles à chaque fois. Ah, mec, c'est l'histoire de notre vie, quoi. Ouais, c'est clair. Gros et débile. Plus débile que gros, quand même. On a une certaine éthique, tu vois. Et pourtant, on est sacrément gros, hein, c'est le gars. Ouais, j'avoue. Ferme ta gueule, les abonnés ne sont pas obligés de savoir. Merde. Bon, après cette quête principale, je te propose qu'on prenne les quêtes d'un peu tout le monde. Tu veux faire les quêtes secondaires Bah, ça peut être au moins intéressant de les prendre pour voir ce que ça nous propose. Voyez pas, si vous ne pouvez pas arriver à la tour, allez directement à l'abri le plus proche et attendez l'eau. Ils annoncent qu'il va bientôt falloir se cacher, donc ça devrait être bon. Bah, on est des héros, on va marcher la nuit, donc on est des héros de la nuit. Voilà, donc on est Batman.
c'est ça, exactement. Vu que Spider-Man, on est d'accord, c'est une tapette. Hein, voilà, d'accord. Ouais. Il peut se faire écraser par une tapette si tu confonds une mouche avec une araignée. C'est ça, c'est ça. Les mecs, vu que là, on gambade stupidement dans la nature, mais... Mais il y aura peut-être un indice quelque part, ou à mon avis, il faudra chercher un peu partout. Partez à la chasse à l'esquiveur pendant la nuit et récupère un machin. Ah là là, mon cher. Mon cher Toku, putain. Mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu, la planète des singes. Ça valait le coup, j'ai perdu 3 points de vie, mais ça valait le coup. Je vous le rappelle encore, bah... passez la nuit dans l'abri le plus proche. Regarde, ça tombe sur le mur. Et bonne chance. D'ailleurs, je sais pas d'où elle vient, ça tombe sur le mur, on dirait un grillage, mais d'où ça vient? Où est-ce qu'il y a un grillage? Ah, j'avoue, grillage. C'est quoi le délire? C'est quoi cette ombre là? Mais y'a aucune ombre, merde. Grillage, oui, je le vois. Mais c'est quoi le délire? C'est une image pour dire que la nuit on est enfermé dehors comme des cons et qu'on peut sortir? C'est imagé, c'est ça? Putain, ouais, j'avoue que c'est bizarre quoi. Grillage qui monte dans l'ombre, mais y'a pas de grillage en face, d'accord. Alors est-ce que c'est l'immeuble qu'on voit là-bas au bout? Le problème c'est que l'ombre vient de là-bas tout au bout, puisque le soleil se couche là-bas. Alors c'est vachement bizarre. Clairement, vu que tu sais quoi, je vais aller me cacher sous mon lit car je flippe trop, donc fais une ellipse. Attends, faut que je nettoie la piste qui est sur mon pantalon. Ah oui, exactement. Alors qu'on a même pas encore commencé à fuir. Bon, mais on a la, la nuit tombe. C'est vraiment affreux. Nous, d'habitude, on évite la nuit, on attend pas qu'elle tombe. Je te suis, mon cher ami. Hein. Oui, suis-moi. Quand tu me baisses déjà? Avec B. Exactement. Et si t'es sur PS4 avec rond, mais c'est débile vu qu'on est tous les deux sur One. C'est clair. Je crois qu'un zombie t'a repéré. Non, cache-toi. Il est là. Il y a plus de tête, ok? C'est bon, il est mort. Bon, mon cher ami, faut trouver une... En plus, j'ai acquis un point de compétence. Non, me laisse pas. Moi, je te niveau suis. De puissance augmentée, qu'est-ce que je... Enclume, frapper le sol d'un coup puissant qui renverse les ennemis, ouais. Robustesse, c'est mieux, ça. Respect, robustesse. Mais ouais, non, pas respect, juste robustesse. Le respect est mort, je l'ai mangé. Ah oui, d'accord. Alors, moi, je te suis, mon cher ami. Bah, j'essaye d'avancer un petit peu, tu vois, histoire. Alors, de... Comment on met le... La JO là, la lampe. Exactement. Arrête de tirer sur ta chicha, merde. Oh merde, tu l'entends, fais chier. Oui. 21h, la nuit tombe. Mais ça s'entend pas la chicha dans la vidéo. Oh. Ça j'entends par contre. La nuit arrive. Les points d'agilité et de puissance sont doublés. Mais oui. Où est ce putain de zombie qu'on doit trouver? Bah, je pense qu'il faut qu'on se balade dans la ville, hein. Ouais, t'as envie de mener la marche? Vas-y, je te suis. D'accord. Ok, on y va, alors. Hein. Aïe. Ah, aïe. Oh putain, mec, mène pas la marche sur les dangereux non plus. Bah, mec, merde, moi, mec, je... Mec, je mec, ah, mec. Ah, ah. Commence bien. Tu meurs pas, mon ami. Ah bon? Ah ouais. Oui. Effectivement. J'ai été trop téméraire, on va dire. Bon, je me cache dans le noir comme quelqu'un de pas courageux. Bah écoute, il reste 18 secondes, donc... Ouais, mais ils sont à côté de toi, mec. Je vais jamais pouvoir venir. En plus, il y en a un qui est à côté de moi. Je me suis tué de force. Ouais, voilà. Suicide-toi. Oui. Ah, il y a un crâne différent de d'habitude qui est apparu sur la carte. Un symbole. Une sorte de symbole bleu, de crâne. Vas-y, cher confrère. Attends, il y a un zombie qui est juste à côté de moi. Il veut ton boule.
Mais mec, t'es juste à côté de la piole. Je sais, je sais. Mais mec, Zach, j'arrive. J'arrive. Faut qu'on aille là-bas. Tu vois le crâne sur la carte? C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Ah ouais. C'est sûr. Oh putain, mec, y a des. Aïe, aïe, aïe. Cours pour ta vie. Oui, bah je suis derrière toi, juste mon ami. Oh putain, passe. Non, passe, merde. Cours pour ma vie. Non, pour. T'es où, merde? Aïe, aïe. Tu t'es vité. Oh putain, poursuite, mec. Oh putain. Merde. Il y a un connard qui me suit, mec. Bah, rejoins le. Non, mais je suis plus très loin du zombie, ouais. Mais c'est. Ça rôde autour comme pas possible. Je crois que je suis ultra loin de toi, mec. Poursuite, éviter. J'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. 48 points d'agilité. Bah, écoute, je vais essayer de te rejoindre. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit zombie? J'ai trouvé un drapeau, pourquoi pas. C'est cool, nos enfants de la patrie. T'as ouais, mais... Ah putain, il est entouré, celui qui m'intéresse. Non, non, aïe, aïe, aïe. Ah, aïe. Ah, ils l'ont mis vraiment dans un sale endroit, c'est dégueulasse, mec. Fais gaffe, il y en a plein dans la zone ici, hein. Oui, oui, je sais. Mais t'es où? T'es au-dessus ou... Je suis sur les toits, ouais. Oh putain, me dis pas qu'il m'a vu. Ça y est, il faut mettre sur l'esquiveur, ils sont marrants. Je vais pas sauter. N'hésite pas à utiliser, tu sais, la vision survie avec A pour voir un peu à travers les murs, pour essayer de les repérer, les mecs. Ouais, t'inquiète, je suis juste là, ouais. Et éteins ta lampe. Ouais. Merde, l'esquiveur, pardon. Il est juste en haut là. C'est vrai? Ouais. Oh putain. Il se. Il est mort. Je le fouille. Prélève. Mec, qu'est-ce qu'on fait? On fuit pour notre vie? Bah oui. C'est merveilleux. Maman. Aïe. Putain, lâche-moi! Je me soigne. J'ai essayé de me casser. Mec, je suis dans le noir, je suis vite. À peu près l'échantillon à zéro. À zéré. Tu te rends toi, mec, je te rejoins. Par contre, je suis pas seul à te rejoindre. Non, dégage. Putain. Zone safe, mec. Cache-toi dans zone safe. Non. Je suis en train de courir, mais. Il y a une zone safe juste à côté, mec. Dégage. Ah, aïe, j'ai mal. Oh putain! Oh, je suis atterri sur un zombie. Putain! Mec, je suis en train de courir de ouf dans un tuyau. Quelle quête de merde, sérieux, nous faire sortir la nuit? C'est clair. D'habitude je manque pas de courage, mais en général je manque de courage. Non, mais dans la vraie vie, moi... Dans la vraie vie, moi les zombies je les affronte, hein. Ah, c'est clair, moi je suis un ouf dans la vraie vie. T'es entraîné par les jeux vidéo après tout. Bon mec, moi je suis... Ah putain, non merde. C'est Azer qui faut amener l'échantillon. Moi j'ai allé vers la tour. Bah non, faut pas aller vers la tour. Aïe, j'ai mal. Ouais, mais lol, y'a un zombie qui est rentré dans zone safe, il peut pas m'attaquer. Et je suis juste en face de lui. Non. Quel gland. Bon, j'essaye de te rejoindre. Attends, comment on entre dans la zone safe? Aïe. J'allais pas rentrer dans la zone safe, ça m'arrête. Mec, maman. Monte en haut. Oui, bah. Et pas en bas, hein, monte en haut. Les gens commencent à croire aux anges, tu sais. S'il y a des démons. Putain! Mec, pourquoi tu m'as pas suivi?
Mais je t'ai pas vu. Eh, tu vas mourir. Eh, regardez-moi ce bouffon, il va mourir. T'inquiète pas. Tant qu'on surveille tout, personne ne passera. En attendant deux joueurs, tu peux te téléporter à moi? Ouais, je te téléporte. Ah ah! Poursuite évitée, mec. Ah, Crane, entre, entre. Tu as les échantillons que je t'ai demandé? Excellent, excellent. J'étais en train de parler de toi au docteur Camden. Bonjour, monsieur Crane. Content de vous avoir. J'ai entendu parler de vos exploits. Voyons voir. Cette créature a un sang plus qu'étrange, sensible à la lumière. Et mortel sur une arme, je parie. Mais je m'égare. Ma dernière dose de réactif, un flacon d'antizine. L'échantillon, il est positif pour le virus recombiné. Camden, tu comprends ce que ça veut dire? L'expérience a marché. Quand j'ai mélangé la souche modifiée aux échantillons de viande, ça a marché. Ça pourrait expliquer les mutations. Mais je manque d'équipement, contrairement à Camden. Dommage qu'on ait aucun moyen de lui apporter les recherches ou l'échantillon. Putain, ça va être nous. On peut communiquer par radio, ah, ça suffit pas? Il y a trop de données, Crane. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je ne suis pas sûr que l'on y survivrait. Si proche et si loin à la fois. Et si je vous apportais tout ça, docteur Camden, en main propre? Les données et les échantillons. C'est pas vraiment une bonne idée, Crane. Ce serait une mission ultra dangereuse. Ouais, mais le remède danger, pourrait être la clé. Ah, c'est clair. Oh, tu nous sauves la vie, mon enfant. Arrête de taper dans ton micro, bâtard. Je te ferai signe quand tout sera prêt. Tu t'éloignes de plus en plus. Mais non, je suis là. Je suis là. Tu es si proche et tellement loin à la fois. L'Ariel, je suis là. C'est mon échantillon personnel. C'est dit, c'est un peu dégueulasse dit comme ça. Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Quoi? Putain, Raïm, c'était mon boulot. Pourquoi? Bah oui, c'était mon boulot, wesh. Ouais. Manipuler des explosifs, tu crois? Bon, mais bon, espèce de touriste. Bref, on a foiré. Sans blague, ils ont foiré. On a carrément merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Sur la passerelle, et ça va. Va à la gare de triage et planque-toi. J'arrive. Omar, derrière toi. Derrière toi. Toi, derrière Raïm. Toi. Non, mais t'es Raïm. Pas Omar, toi. Merde, je suis Omar, wesh. Ah, je suis. Brecken. Ouais. Brecken, tu m'entends? Ah bon, bah. 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a? Niveau augmenté. Je pars chercher regarde, Raïm. Regarde, et force sympathique, et cette demoiselle. Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ouais, ils sont dans le pétrin. Hein, quoi? Putain, regarde même pas. Regarde, là-bas. Oui, ils ont trouvé des explosifs. C'est moi qui les ai piqués à Rice. Oh putain de merde! Je suis pas loin, je vais le ramener, Brecken. J'espère. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie que je lui batte le cul! Jade est au courant de tout ça? Non, elle est pas au courant. Je lui en parle pas. Elle partirait à sa recherche. Dit-il qu'elle se mette dans le pétrin, elle aussi. Et merde! Ouais. Bon, mec, on continue la poursuite pendant la nuit ou on se couche? Bah, on est des fous. Poursuite pendant la nuit. Moi, je suis parti, jamais que. Moi, je suis un dingue, tu vois. Un dingue, c'est clair. Moi, tu vois, je. Non, mais tu. Je respecte personne, tu vois. Aïe. Je respecte même pas les flammes, quoi. C'est ça. Je me suis brûlé. Moi aussi, parce que je t'ai suivi à la trace comme un connard. J'ai pas réussi à entrer dans le tuyau. Ah mais c'est parce qu'il faut être plombier là pour avoir les bons tuyaux et tout. Ah oui, effectivement. Oui. Oh putain, mec, pas par là. Aïe. Le jour se lève, mec, le jour se lève, on a juste à tenir un peu. Mec, il y en a 4 tuyaux. Je sais, j'ai vu ça sur la carte. Tu m'aides ou... Non, tu t'émerdes. Oh putain, il y en a qui me suit, je peux pas t'aider. Tiens, dans ton cul. Ensuite éviter, le jour se lève. Oui. Aïe. J'ai mal. Un point d'agilité. Oui, 18 points d'agilité. Putain, ils ont été radins sur la poursuite. Vous avez survécu. Putain, un mec s'est fait attaquer. Faut le sauver. J'arrive. Oh, boum.
Ah, je l'ai électrifié le zombie. Mais il est en haut ou en bas? Bah, il est mort. En haut, en haut. Je vous donne une fière chandelle. Ouais, tu me donnes une fière chandelle, mec. Ouais, ouais, là, j'avoue. Oui. À la base, je voulais juste prendre ma récompense, mais tu t'es mis devant comme un connard. Bon. Raïm, ne bouge pas, on arrive. On arrive, mais attends, faut passer par où pour arriver? Parce qu'il est où ce gland? Là, il est juste là, il est au-dessus, il est pas loin. Parce qu'il ouais, est... faut qu'on monte sur le toit, non? Sur le toit, ouais, sur l'autoroute à mon avis. Ah putain, mais par où est-ce qu'on peut monter? Quel est le chemin le plus rapide? Je crois que le plus rapide c'est par là, par là-bas là. Ah, je te suis, mon ami. Je crois que c'est le plus rapide. Mon petit oiseau. On peut ça voler. A pris ça. Ah, la bolette. A pris ça. Ah, la bolette. A pris ça. Voler. Oui. Oui, j'aime ce qui se passe. Oui, j'aime ce qui se passe. Où es-tu? Je suis là. Je suis pas loin, je suis jamais loin. Par contre, toi, t'es loin. Je suis allé tout droit, mec, hein. J'essaye pas de... Ah bah, toi, tu passes par des raccourcis. T'es comme ça, toi. Moi, je suis un gars qui prend des raccourcis, tu vois. Ah, mais je vois ça. T'as toujours été un gars qui a raccourcissé les choses. C'est ça. C'est pas mon cher tout court. Oui. Non, mon cher tout long. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal, oui. J'arrive pour avoir mal avec toi. Oui. Déjà que j'ai mal au poumon, là, à force d'être fatigué. Oh putain. Oh merde. C'est pas oh bon, merde, ça. C'est pas bon ça. Y'a un zombie qui te traque. Oh connard, putain. T'es tombé comme une grosse merde, toi. Mais oui. C'est nul, tu sers à rien. Ouais, comment ça, tu meurs? Je vais me téléporter sur toi, vas-y. Mais faut qu'on fouille dans la zone. Attends, je débarrasse un zombie qui était méchant, j'y prends ses clopes. Mais mec, en plus, il y a aucune. Ah putain, sortie. Il est là. Il y a aucune sortie. Ah non, c'est pas lui. Ah. Ça devait être Omar, ça. Obélix. Bon bah c'est peut-être lui alors. C'est pas lui, putain, mais ils ont tous les yeux un peu bizarres comme s'ils étaient infectés. Ouais, c'est toi qui est bizarre, wesh. Planche de bois, ça m'intéresse pas. Parce que là, le mec, le truc c'est de fouiller les corps, donc tu risques pas de te téléporter à moi. Comment tu parais qu'il y a un corps dans le bus? C'est toi le bus. Je veux dire. C'est toi le corps. C'est toi le bus. Raïm, t'es où? Brecken, c'est Raïm, moi. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Aucune trace de Raïm. Merde. Où est-ce qu'il peut bien être? Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare de triage. Va le chercher. J'espère que ce petit con est toujours vivant.